C'est l'automne. Le soleil est moins ardent, les nuits s'allongent, l'air est plus vif. David, tout comme Michel, s'affaire au semis pour la saison prochaine, chacun peaufinant ses préparatifs. Pendant qu'en surface, ils préparent leurs semences, en profondeur, le sol, qui semble presque endormi, fourmille d'activité. Oh, pas besoin d'aller chercher loin. Les premières présences se dévoilent dès qu'on soulève des débris de végétation. Parmi les semences mises en terre, ce grain de blé n'aura pas la chance de produire un bel épi. Dans les tout premiers centimètres de terre, la vie foisonne. Au milieu de cette pénombre, il n'y a guère de repères. Les pôles n'existent plus. La nuit et l'humidité règnent. Pourtant, plus du quart de la biodiversité mondiale habite ici, avec une masse vivante de près d'un kilo à chaque mètre carré. Or, ces petits animaux, sont-ils indifférents aux mouvements qui se passent en surface, au travail de David et de Michel? Contribuent-ils à leur production? La forte humidité, c'est bien ça qui motive une multitude d'espèces. Les vers de terre comptent parmi les habitués. Certains restent cantonnés à la litière, et au compost du jardinier, alors que d'autres côtoient les profondeurs. La lumière pigmente encore les animaux qui vivent dans cette zone de transition. Certains sont même dotés de colorations vives. Mais plus en profondeur, les couleurs ne sont plus légion. Le blanc domine. Les yeux deviennent inutiles et sont souvent absents. La peau et parfois translucide, laissant percevoir le système digestif bien plus déterminant, comme pour ce rotifère affairé à aspirer des micro-organismes en suspension dans l'eau. Même la famille des mille pattes dispose de quelques espèces dépourvues de couleurs. Mais plus que l'humidité, un autre élément attise toutes les convoitises. La matière organique. Celle-ci est le carburant qui fait fonctionner le précieux équilibre à l'intérieur du sol. Car ici, tout est question d'équilibre. Dans cette ambiance feutrée, un faisceau de filaments s'étale. Commence alors
un fin travail de déconstruction que d'autres sauront terminer. Aucun fragment ne résiste à ce travail de coopération. La matière organique est digérée, rendue assimilable pour les plantes. En surface, deux bousiers emportent leur mets préféré jusqu'à leur galerie et contribuent ainsi à déplacer les excréments en véritables ingénieurs. Sous la litière, il y a ceux qui fragmentent, cloportent et glomérisent par exemple, qui s'attaquent aux restes de tiges ou de feuilles. Et ceux qui s'occupent de les enfouir par une série de va-et-vient verticaux, comme les vers de terre de profondeur. Ils la restitueront prédigérée sous la forme de tortillons de terre qu'on appelle les turricules. Tout ce travail sera facilité par des êtres plus petits, des colamboles et des acariens, parmi les plus abondants dans le sol. Les premiers passent une partie de leur vie à brouter des algues et surtout les filaments de champignons. Ils feront à leur tour le délice des seconds. Et oui, la vie tranquille d'herbivore n'existe pas plus sous terre où des prédateurs guettent, comme ce pseudo-scorpion ou cet acarien qui se contentera finalement d'un colambol déjà mort. Celui-ci n'aura pas su déjouer le piège tendu par une araignée. Dans cette digestion de la matière organique, les bactéries sont là, elles aussi, par milliards, régulées par des virus et des nématodes. Elles finissent le travail de décomposition et s'attaquent aux éléments les plus difficiles à dégrader, avec les champignons, eux aussi très présents. Chaque année, sur une surface équivalente à un terrain de football, ce sont 25 tonnes de matière organique qui peuvent être ainsi recyclées par tous ces êtres de profondeur. La matière organique est aussi déterminante dans la structure du sol. Elle s'agrège à des particules très fines et forme les précieux agrégats capables de stocker des nutriments et de l'eau libérés progressivement pour les plantes. C'est l'inverse d'une alimentation à base d'engrais minéral qui amène des nutriments de manière beaucoup plus brutale, qui n'améliore pas la structure du sol et tend même à l'acidifier, au grand dam des vers de terre. Un chiffre qui parle pour exprimer le travail en profondeur. Si l'on perd 30% des espèces dans le sol, on diminue de 40% la minéralisation de la matière organique et on augmente la résilience de nombreux pathogènes. Au début du XXe siècle, le taux moyen de matière organique dans les champs de céréales français était de 4%. Un pourcentage qui est tombé aujourd'hui à 1,6. Dans les jardins, la moyenne est de 3 à 5%. Une part modeste, mais pourtant déterminante dans la qualité du sol. Voici un mois que le blé est en terre. Près de 90% des semences iront jusqu'à produire un ou plusieurs épis. Certaines limaces rejoignent leur quartier d'hiver à l'abri du gel.
le mucus qu'elles produisent pour pouvoir se déplacer contribue à structurer le sol. Ce peut être aussi un piège pour de petits animaux. Pour Michel, bien sûr, mieux vaut qu'elles finissent leur repas plus loin. Pour la plante, à ce stade, la priorité est de structurer un bon réseau de racines, car ce sont elles qui devront rassembler les nutriments nécessaires à la croissance et à la bonne santé du végétal. Sous chaque plant de blé, il faut imaginer en moyenne 200 km de racines et 5000 km de ramifications qu'on nomme des poils absorbants. De quoi explorer tous les recoins de la Terre. C'est dans cet entrelac de racines que se concentrent les scènes les plus cocasses et l'avenir de la culture. Ici, tout ce petit monde s'organise, s'autorégule, avec même d'improbables entraides entre la plante et des bactéries, des champignons ou des insectes. Par les sécrétions qu'elle disperse sur quelques millimètres, on parle d'exsuda, la plante effectue une sélection de certains micro-organismes qui sauront lui prêter main forte durant son développement. L'oxygène y est indispensable, d'abord pour la croissance du végétal, mais aussi pour faire fonctionner tous ces travailleurs de fond. C'est une véritable usine à préparer des nutriments. Le rôle des racines de la plante est important pour faciliter l'arrivée d'oxygène, d'eau et le déplacement des animaux. Elle façonne l'espace autour d'elle. Les molécules qu'elles sécrètent sont une précieuse source d'énergie pour les micro-organismes du sol. En premier lieu pour les champignons, dont la présence accélère la digestion des matières organiques. Ces innombrables interactions sont aussi importantes que la diversité des espèces présentes dans ces micro-espaces. Les symbioses vont plus loin. La plante fournit aux champignons des molécules issues de la photosynthèse, pendant que le champignon la ravitaille en eau, en éléments nutritifs, et lui assure une protection contre les éléments pathogènes ou contre la sécheresse. Une véritable communication chimique peut s'instaurer entre une racine attaquée par un parasite et de petits animaux aptes à déloger l'hôte indésirable. Lorsque cet écosystème fonctionne, la surreprésentation d'éléments pathogènes est évitée. La plante est protégée. L'arrivée de l'hiver perturbe ce petit monde, surtout proche de la surface. Fini le bon temps. Survivre devient la priorité. Pour passer l'hiver et mieux résister au froid, toutes les solutions sont bonnes. La production de molécules anti-gel, des sucres ou des dérivés d'alcool. L'abstinence, certains arrêtent de s'alimenter. Ou même l'absorption de derniers rayons solaires grâce aux pigments de la peau. Enfin, il reste deux solutions. Migrer en profondeur. Ou n'exister que sous la forme d'œufs qui écloront lorsque les températures seront propices. L'adage est le même qu'en période de sécheresse. Parmi la faune du sol, les moins mobiles subissent les plus grandes pertes. En plein hiver ou lors des canicules, cette période de vie ralentie est encore plus critique si le sol est nu, s'il n'y a pas de couche de végétaux ou de paillage qui fasse tampon. L'arrivée des beaux jours
est un renouveau pour tous. Le blé prend ses aises et va structurer ses épis. L'agriculteur fait en sorte qu'il ne manque de rien, alors que le jardinier, lui, prépare une nouvelle planche pour ses semis de printemps. Michel, bonjour. Ah, bonjour. Tu vas bien ? Bien, toi ? Oui, très bien. Alors, ces épinards ? Oh bah écoute, montre-moi un peu ce que ça donne. Ça se passe pas trop mal. Je vois que t'as bien paillé le sol pour l'hiver. Tu vois, ça maintient un petit peu un peu plus au chaud. Toutes les petites bestioles qu'il y a à l'intérieur du sol, elles ont certainement recommencé à travailler un petit peu plus tôt que si le sol était nu. Bien sûr, bien sûr. Et ça, c'est important. Bien sûr que c'est important. C'est précieux. Ouais, C'est impressionnant la différence que ça fait. Ouais. T'as eu de la neige cet hiver là ? Un petit peu, mais bon, ça y a fait du bien parce que ça les a couverts et ça protégeait du froid. D'accord. Parce que la neige protège du froid. Bon alors, Moi, à mon avis, dans 15 jours, 3 semaines, on peut commencer à cueillir. Oui, je pense que ça sera bon. Dans les interstices du sol, les intentions sont claires. Agrandir la famille. Pour certains, l'embryon se développe déjà à l'intérieur de l'œuf. Pour ces collemboles, si certaines parades font décoller un partenaire, d'autres sont plus soft. Une fois que le mâle aura déposé sa semence dans une sorte de gouttelette, la future maman n'aura qu'à la récolter pour féconder ses œufs avant de les déposer sur un substrat humide. Seulement, au dégel, le sol est fragile. L'intervention mécanique est périlleuse. Et la terre, une fois tassée, limite sérieusement le passage de l'eau et de l'oxygène. En contrebas, le labeur en est d'autant ralenti. Certaines espèces peu mobiles se retrouvent même piégées. La mortalité est encore plus forte lors du labour ou du bêchage. Ce sont les 10 premiers centimètres de surface qui concentrent presque tous les habitants du sol. Et quand ils se retrouvent brutalement propulsés en profondeur, 90% des acariens et la majorité des collemboles se retrouvent incapables de survivre, privés d'oxygène. Là encore, l'usine souterraine dysfonctionne, sans compter que la structure du sol est tout à reprendre. Même les vers de terre de profondeur devront reconstruire leur précieuse galerie verticale. Un sol peu remué travaille donc beaucoup plus. Un travail mécanique inadapté constitue la plus grosse perte de qualité du sol. La structure à l'intérieur du sol, parlons-en. Plus les agrégats sont nombreux et de taille diversifiée, plus l'eau et les nutriments sont abondants pour la plante. Là encore, la microfaune du sol est une précieuse alliée pour le cultivateur. Le mucus que sécrètent les vers de terre ou les bactéries, par exemple, associé aux plus fines particules de terre, constitue une excellente base pour un sol bien structuré. Les bactéries cimentent les micro-agrégats. Les champignons agglomèrent ces petits éléments aux agrégats plus gros qui s'emboîtent à la façon de poupées russes. Chacun y va de sa petite crotte, de sa boulette ou, pour les vers de terre, du transit dans leur tube digestif pour enrichir ce système. Et c'est là une base de la fertilité des sols. Les analyses scientifiques parlent. Plus les espèces présentes dans un sol sont diverses, plus celui-ci résiste à l'érosion. Ajoutons à cela de nombreuses galeries de vers de terre et un taux élevé de matière organique, et tous les ingrédients sont réunis pour créer une structure de sol résistante,
et résiliente. Avec l'arrivée des pluies printanières, les particules les plus fines risquent d'être emmenées par l'eau. Cette expérience simple montre l'effet dévastateur du lessivage. La structure des sols les plus pauvres en biodiversité s'appauvrit. Et avec elle, disparaît une bonne part des précieux décomposeurs. En profondeur, les animaux ne sont pas épargnés par les caprices de la météo. Dans le jardin de Michel, le paillage installé pour l'hiver a joué un rôle tampon. Atténuer l'impact des gouttes et permettre une pénétration régulière de l'eau. Une couverture végétale du sol quasi permanente fait la joie de tous, surtout en hiver et lors des périodes pluvieuses. L'intense activité autour des racines n'est pas arrêtée. L'usine peut alors tourner à plein régime. C'est le moment où le technicien de la coopérative fait le tour des parcelles pour conseiller les adhérents. C'est normal, plus tu sèmes tôt, plus tu tales. Et nous, on n'en est pas là, parce que le problème, c'est qu'après, maladie, puceron. L'idéal ici, ça serait 15 octobre. Mais le Prosa, oui, de toute façon, le Prosa, on connaît son potentiel. Hein. Ouais. On ne fera jamais 80 quintaux. Non. Prosa, si on fait 40-45, c'est bien. Ouais. Et là, la parcelle, elle est régulière. En salissement, ici, on n'a que des dicotes, donc on ne va pas s'embêter. On ne fera pas d'antigraminé. C'est ce qui coûte le plus cher à éliminer. Et on fera... Voilà, on a de la pensée, on a du coquelicot, on a de la capselle. Je regarde la parcelle et j'aime bien l'uniformité de la parcelle. Tu vois, quand elle est régulière. Quand tu commences à avoir des zones, tu te dis, oula, il y a des problèmes. Tassement, carence, excès d'eau, tu vois, il y a plein de choses. Donc là, on a Agrostis, Aigra. Après, on a rumen. Les épis de blé se forment. Les silos seront probablement bien remplis cette année. Mais la plante n'est pas encore à l'abri d'une attaque de parasites. Et dès l'apparition des premiers symptômes, David va devoir traiter. Même sélectif, les traitements insecticides ne vont pas se limiter à la surface ou à une espèce, et vont sérieusement perturber l'activité en profondeur autour de la racine. Les décomposeurs de premier choix, que sont les champignons, vont eux aussi grincer des dents avec les produits fongicides. Le désherbage, quant à lui, coupe une partie des vivres et prive le sol d'éléments structurants. Le dilemme est alors délicat. Il faut limiter les apports de ces produits de synthèse. Et ne doit-on pas miser, en plus, sur un sol bien vivant, structuré de haut en bas et bien nourri? Les déséquilibres biologiques seraient alors moindres et les agents pathogènes moins nombreux. Nourrir son sol de manière régulière, c'est activer un équilibre biologique qui contribue inéluctablement à la bonne santé de la culture et à celle des consommateurs. C'est un cercle vertueux. C'est aussi un investissement d'avenir. C'est garantir les deux principaux paramètres d'un sol riche. La diversité d'espèces et les interactions positives entre ces espèces. Ces deux facteurs clés sont favorisés par l'hétérogénéité de la parcelle. L'homogénéité n'est jamais source de richesse.
pour les cultivateurs, l'aboutissement de tous ces efforts est d'obtenir une récolte de qualité. En France, la production de blé tendre est de 35 à 40 millions de tonnes. Mais seule une partie a les qualités requises en termes de taux de protéines et d'humidité pour convenir à l'alimentation humaine. La demande des consommateurs évolue. Le climat change. Les sols sont menacés. Alors, ceux qui travaillent la terre s'interrogent. Face à ces évolutions, faut-il remettre en cause ou même accélérer certains changements de pratiques ? Nos sols, on y tient parce que c'est important. C'est ce qui fait vivre nos fermes. C'est l'avenir de nos exploitations. Avant, les gens faisaient sans savoir. Parce qu'on leur disait de faire. Il y a des gens qui avaient pris des décisions à un moment donné. Vous allez faire comme ci, comme ça, et vous allez voir, ça va vous donner tel et tel. Et aujourd'hui, les agriculteurs d'aujourd'hui, et puis ceux qui y arrivent, ils savent. Moi, c'est pareil. Mon jardin, ça fait 2 ans maintenant. Je le laisse couvert à 100% du temps. Quoi. Je mets un paillage l'hiver. Et comme ça, j'ai eu à enlever zéro herbe. Puis il y a les qui a dessous. Il y a ça de verre de terre. Ah ben, c'est... Il y a du monde, c'est sûr. À l'œil, on ne les voit pas. Donc, comme il dit, il faut les nourrir aussi, bien sûr. Donc, si on n'alimente pas en matière organique, eh bien, tout ce petit monde, il ne peut pas vivre, il ne peut pas travailler, quoi. Moi, je pense qu'un agriculteur comme moi, qui suis un agriculteur biologique, le gros avantage que j'ai, c'est que j'ai également un troupeau d'élevage, et ce qui me permet de fabriquer également de la matière organique en suffisance, et puis de faire certaines rotations qui sont intéressantes pour moi, notamment sur des prairies ou des luzernes, des choses comme ça. Alors nous, on est céréaliers purs, donc forcément, on est pénalisé. Alors on a trouvé des astuces de contournement. Alors en faisant des échanges paille-fumier avec des collègues de l'ACUMA, un collègue éleveur, tu prends un kilo de paille, tu me files 2, 3, 4 kilos de fumier. Voilà, on arrive à trouver des choses, bien entendu. Chez nous, on a des sols un peu comme chez Jean-Luc, qui sont des sols extrêmement légers, qui sont faciles à travailler, où le non-labour peut éventuellement se mettre en place sur plusieurs années. Mais par contre, moi je suis pour faire un petit gratouillage toujours en surface, pour même faire un couvert ou autre. Oui. Mettre en direct, la germination ne se fait pas, même derrière, comme la dernière céréale, ne se fera pas si ça, on a une période sèche derrière. Par rapport à cette problématique du labour, effectivement, je pense que, parce que scientifiquement c'est prouvé, brasser le sol comme ça, ça détruit des choses, bien entendu. Mais en même temps, quand on est en bio, effectivement, raisonner les mauvaises herbes sans labourer, c'est compliqué. Mmh. Donc, moi, ce qui me semble, c'est qu'il faut qu'on se dise une bonne chose, c'est que tout est affaire d'équilibre. Mmh. C'est-à-dire, ne labourer en permanence, je ne pense pas que c'est une bonne chose. Bon, là, tu nous démontres que pour l'instant, dans ton expérimentation, effectivement, toi, tu as, je ne sais plus combien, mais 30 ans de recul, et ça fonctionne. On a des très bonnes pratiques en semi-direct, parce qu'on maintient l'érosion, on a plus d'érosion de sol dans les terrains vallonnés. Par contre, on va employer du pesticide. Si on passe en bio, eh bien, on n'a plus de pesticides, mais on ne fait que gratter la terre. On a de l'érosion. Oui. Rien n'est parfait. Donc, il faut toujours avoir un compromis. Il n'y a pas de système idéal. Trouver la solution qui pénalise le moins le sol. Le choix qu'on a avec les techniciens à l'appui qui montrent bien ce qu'il faut faire, je l'écoute pas, ça dépend. C'est du conseil. C'est du conseil, voilà. Donc voilà, après, à nous de faire le bon choix.
Ben, le gratouillage, ça me permet d'éviter le glyphosate. Oui. Moi, je me suis rendu compte que, autant on connaît ce qui a l'impact des herbicides et autres en surface, autant quand ça se passe dans le sol, ce qui ressort, et c'est à peu près la seule chose qu'on a dit, c'est que ça a un impact négatif, ça fait plutôt fuir. Enfin, si les vers de terre partent à 50 cm ou 1 mètre en profondeur, ils sont plus là pour faire leur boulot. Pareil pour les petites bestioles, celles qui sont en proximité des racines, si y a un glyphosate ou quelque chose qui les fait fuir, c'est tout du travail qu'elles ne feront pas encore en moins. Mais on peut peut-être quand même penser que nous, la biodiversité qu'on utilise, qu'on pourrait appeler biodiversité fonctionnelle, puisqu'elle nous aide à travailler le sol et faire des choses que nous, on ne peut pas faire, hein. Cette biodiversité fonctionnelle, c'est notre outil de travail, quelque part. Si on change un peu nos pratiques, on fait des couverts, si on s'occupe bien du sol, on voit vite revenir les vers de terre. Et la couleur du sol n'est pas la même quand on regarde de loin son sol avec le voisin qui a des labours en permanence. La couleur du sol est différente. Même on arrive à celui qui a un bon odorat, on arrive à le sentir à l'odorat. Ah oui, on a peut-être pendant trop longtemps utilisé plus le sol comme un support, et là maintenant, on se rend bien compte, on n'est pas les seuls à considérer le sol comme un milieu vivant et à prendre les mesures qu'il faut pour que ça le soit de façon durable et surtout voir améliorer les choses. Donc c'est ça qui me paraît intéressant et important, de voir cette évolution, cette dynamique par rapport à ça. Et voici, fait avec le blé de David et les épinards de Michel. Ça sent bon. Les exploitants agricoles sont les premiers à adapter leurs pratiques et même à en inventer de nouvelles. Alors, j'ai essayé de faire du semis direct avec ça, mais ça n'a pas marché. Faut gratouiller. J'ai essayé de gratouiller. À nous, les consommateurs, les jardiniers, les citoyens, de nous impliquer dans cette transition. Cette nouvelle approche pourrait tracer la culture de demain.